Voyons qu'en pense docteur Edouard Zotomou, président de l'UDRP. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Talib Bari. Alors, docteur, le cadre de concertation inclusif démarre ses travaux aujourd'hui. C'est la session inaugurale. Le président va donc s'adresser aux acteurs présents. Et vous avez vu finalement qu'il y a une sorte de fracture entre vous, acteurs politiques, parce que la CPR annonce sa participation et le porte-parole de la CPR nous dit que nous ne devrions pas être surpris que des signataires de la déclaration du G58 soient également présents. Des signataires. C'est pourquoi j'ai dit des signataires. Ah, d'accord. Voilà. Soient également présents à cette session inaugurale. Oui. Alors. Je ne sais pas. De toutes les façons, voilà ce qui se passe. Le G58 avait effectivement signé, comme vous le savez, trois déclarations. La deuxième déclaration, en fait, nous avons reçu des gens qui n'avaient pas signé la première déclaration, mais qui sont quand même venus s'associer à nous autres pour faire la deuxième. Bon. Finalement, nous nous sommes dit... Allô? Oui, allez-y. On vous écoute. Oui. Finalement, la déclaration a été faite, disons, reprenant effectivement les doléances que nous avons présentées au CNRD pour la création d'un cadre politique, d'un cadre de dialogue politique. Mais à la différence, justement, du cadre de dialogue politique sollicité, on nous a servi un cadre de concertation. Nous avons fait quand même, nous avons relevé effectivement les faiblesses du cadre de concertation, en faisant comprendre au CNRD que selon nous, notre vision et notre disons, approche, selon ce que nous apprenons effectivement de ce cadre, le cadre de concertation a une sorte de structure verticale, c'est-à-dire des rapports de subordination. La concertation, vous vous rencontrez, et puis les décisions ou les propositions faites seront remontées à un niveau, disons, élevé, et c'est à ce niveau que les prises de décision se font. Le cadre de dialogue politique que nous avons sollicité a une structure, disons, horizontale. Personne n'est au-dessus de l'autre. Entre le CNRD, le gouvernement, les partis politiques, les partenaires techniques et financiers, et puis l'observateur qui viendra soit de la CDAO ou alors de l'OUA ou bien de l'Union africaine ou des Nations unies. Mais ce cadre n'a pas été ce qui nous a été servi. Donc nous ne pouvons pas simplement aller pour orner justement la salle. Il y a d'autres partis effectivement qui avaient signé avec nous et qui se sont présentés. Vous savez, c'est ce qui dénote justement... Et vous confirmez que au moment où vous intervenez, que des signataires de votre déclaration sont présents à Sékou-Touré, au Palais Mohamed V? Mais je ne le confirme pas parce que je ne les ai pas vus. Si vous les avez vus, ça veut dire que c'est confirmé qu'ils sont là. Mais vous n'écartez pas cette possibilité non plus. Je n'écarte pas du tout cette possibilité. Ah d'accord. Je n'écarte pas la possibilité. Mohamed Kaba. Seulement, nous avons dit que ceux qui doivent aller vont aller puisque les invitations ont été adressées à des coalitions. Il y a des bases qui sont venues pour des coalitions et ces coalitions, peut-être les membres sont partis. Imaginez, on parle de 20 coalitions maintenant. Au moment où nous parlions du CNT, il y avait 7 coalitions. Alors, entre 7 et 20, il y a 13. On ne sait pas comment est-ce que ces coalitions sont arrivées. De toute façon, l'important, c'est que les batchs ont été envoyés par coalition. Et nous, notre coalition, si c'est au niveau de la NAD, personne n'a récupéré de batchs. Et sans les batchs, on ne peut pas justement accéder au palais Mohamed V. Mm-hmm. Donc, personne n'est allé au compte de la coalition de l'ANAD. Mohamed Kaba. Les G58, ça c'est autre chose parce que c'est des partis politiques qui sont indépendants dans leur fonctionnement. Voilà. En fin de compte, docteur, vous vous attendez à quelle garantie pour pouvoir participer à ces cadres de concertation? Non, il n'y a pas de garantie que nous avons fait justement présenter des doléances. C'est très simple. Nous nous disons de créer le cadre de dialogue politique. Quand le cadre de dialogue politique est créé, il y a déjà un cadre de concertation. Le CNT, c'est un cadre de concertation. Parce qu'il y a toutes les forces vives, toutes les forces énumérées sont dans le CNT.
Et là, justement, toutes les questions là peuvent se discuter à ce niveau. Mais la transition, puisque nous pensons que la transition, elle est politique par nature, il faut donc qu'il y ait un dialogue franc entre les politiques et justement la classe au pouvoir. Alors, et puis il y a cette question, oui Talibé. Alors docteur, l'autre actualité, c'est ce courrier et finalement plusieurs courriers qui ont été adressés aux différentes coalitions par le ministère de l'administration du territoire, dont votre coalition l'ANAD, pour vous demander de fournir les copies des agréments des partis membres de vos coalitions. Et on a vu votre réaction chez nos confrères de Mosaïque Guinée. Vous parlez d'incongruité. Pourquoi trouvez-vous cette demande incongrue? Bon, nous trouvons la demande incongrue parce que le timing, comme disent les Anglais, pourquoi attendre justement l'orée, comment on appelle, d'un événement qui va se tenir pour demander aux partis politiques de fournir, disons, des documents qui attestent de leur légalité. Nous pensons que le ministère de l'administration du territoire, dans sa fonction régalienne, se doit d'entreprendre justement des visites, pas intempestives, mais des visites régulières pour s'enquérir de la situation des partis politiques. Vous pouvez aller programmer 2 ou 3 par semaine, comme ils entendent, mais ça c'est dans un cadre normal. Alors c'est un peu curieux quand même, à ce niveau-là, qu'on vienne demander, c'est comme s'il y avait une petite note d'intimidation ou de menace pour dire que vous êtes dans la légalité. Des partis politiques qui sont dans la légalité, qui sont dans l'illégalité, ne se présentent pas et ne manifestent rien, ne disent rien. Mais ceux qui sont dans la légalité, quand même, ont le droit de pouvoir, disons, faire des réclamations. C'est ce que nous faisons. Nous avons pensé que il y avait une sorte d'amalgame. On est en train de montrer aux gens que ce sont les partis politiques qui ne veulent pas du processus de conciliation ou du cadre de dialogue, enfin du cadre de concertation qui a été créé par l'administration. Alors que ce n'est pas en fait ça. Ce que nous voyons, c'est que on veut simplement faire, c'est un jeu de positionnement pour montrer à la communauté internationale, voilà, le CNRD est disposé, mais pas disposé dans le sens que nous voulons. Ils veulent inclure tout le monde alors que tout le monde ne va pas prendre la décision. Voilà la différence. Il y a quand même un bémol que j'ai envie de souligner, docteur Zotomou. Oui. Vous parliez tantôt du timing par rapport à cette fameuse lettre. Est-ce que vous voulez dire que, parce que la lettre quand même est datée du 11 avril, sauf erreur de ma part, vous voulez dire que entre le 11 et le 15, des partis politiques ne peuvent pas présenter des copies de leur agrément, ou bien vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas reçu cette lettre le 11? Bien, je suis en train de vous dire que le courrier auquel vous faites allusion, notre courrier, nous l'avons reçu hier à 13h. Le courrier qui a été a été reçu hier effectivement à 13h. C'est le doyen, le général Ali ou de l'UFDG qui l'a reçu. Alors comment est-ce que justement, quand je parle de timing, c'est dans ce cadre. Si vous voulez effectivement, et nous ne voulons justement pas que l'agenda de ce cadre de dialogue que nous demandons soit, disons, contrôlé par le gouvernement. C'est pourquoi nous avons demandé la supervision d'un observateur neutre. Donc le timing, c'est par rapport à jusqu'à 13h hier, le facteur qui distribuait les documents avec son sac plein. On ne sait même pas si certains n'ont pas reçu vers 18h. De toutes les façons, nous avons reçu à 13h. Finalement, est-ce que vous présentez une manœuvre autour de cette lettre par rapport à éventuellement écarter certains leaders politiques, puisque ça spécule dans la cité ainsi? Bon, nous pensons qu'il y a justement une manœuvre de ce genre qui se profile, mais si on veut être dans la régularité, c'est tout à fait normal que le ministre de l'administration du territoire justement demande des comptes et demande à vérifier l'existence des partis politiques, la légalité de l'existence des partis politiques. Mais ce que nous trouvons curieux, c'est que c'est le même département qui a, disons, délivré les agréments à tous les partis politiques. En principe, eux, ils doivent avoir un fichier complet
qui en disant énumératif, où il y a les partis, tous les partis politiques qui ont été agréés avec la documentation nécessaire. Maintenant, s'ils veulent rendre visite à ces partis politiques, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller les voir. Et l'autre chose, c'est que, compte tenu du caractère justement associatif au niveau des coalitions, ces coalitions ne dictent pas aux partis qui les composent ce qu'il faut faire. Il n'y a pas d'injonction à faire. Donc, si le ministère de l'Administration du Territoire, nous disons, peut effectivement avoir affaire à ces formations politiques, ils ont les contacts nécessaires, ils peuvent s'adresser à ces partis-là directement. Ils ont tous les documents, mais c'est la forme que ça prend, et justement, la menace que cela est en train d'insinuer, qui peut penser à autre chose. Bien, voilà. Docteur Edouard Zotomou, président de l'UDRP, merci d'avoir été avec nous. Oui, c'est moi qui vous remercie. Mirador, on est graine.